Salut Yann. Tout d'abord, merci infiniment d'être ici avec nous. Alors, je sais que ton premier instrument a été le violon. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à devenir batteur plutôt que violoniste ? En fait, je voulais jouer d'un instrument. Mon père étant pianiste, il y avait toujours de la musique à la maison. Et quand tu es gamin, tu choisis quelque chose de petit et facile. Alors on a essayé le violon. Ça n'a pas vraiment marché. Et je le retournais pour faire des percussions dessus. Là, c'était beaucoup mieux. Alors le violon est resté 3 mois et lorsqu'il fut parti, j'étais très heureux. Et puis j'ai commencé à jouer sur les meubles avec les aiguilles à tricoter de ma mère. J'écoutais la musique en essayant de copier les rythmes que j'entendais avec les aiguilles à tricoter. Tu vois, tout est parti de là. Quand j'avais 15 ans, j'ai pu convaincre mon père de m'acheter une batterie vraiment très bon marché, juste pour voir si ça le faisait. Et tout est allé vraiment très très vite. À l'âge de 15 ans, quand j'ai eu ma première batterie, jusqu'à 19 ans où j'étais dans Deep Purple. Ça m'a pris que 4 ans pour en arriver là. Juste 4 ans? Oui, 4 ans seulement. Peux-tu nous dire quels sont les différents batteurs que tu écoutes et que tu admires, bien sûr? Je vivais dans la campagne en Angleterre, dans une toute petite ville. Et il n'y avait pas de vrais musiciens. J'étais un peu trop jeune pour aller au concert. Alors je ne pouvais donc pas voir les musiciens en vrai. Alors quand nous avons eu ces vieux films des années 30 aux années 40 à la télévision, où tous les grands groupes jouaient, comme les orchestres de Glenn Miller ou de Tommy Dorsey, je commençais à regarder les batteurs et un film est sorti, avec en vedette le batteur Gene Krupa. Krupa était un mec qui crevait à l'écran. Et ce qu'il faisait, c'était la perfection hollywoodienne. Il le faisait paraître meilleur qu'il ne l'était, et la batterie en devenait glamour. Je voulais donc être lui, je voulais lui ressembler. Je voulais donc ressembler à ça avant de devenir un batteur. Car c'était tellement cool, tu vois. Et j'ai commencé à l'écouter et à réaliser que je comprenais ce qu'il faisait. Personne n'avait besoin de me dire pourquoi et qu'est-ce qu'il jouait, je le comprenais. C'est juste que la nature m'a donné ça. Je le comprenais. Alors j'ai commencé à mimer et copier ce que je voyais dans tous ces films. C'était le seul endroit où je voyais quelqu'un jouer de la batterie, à part dans un pub, mais en général ce n'était pas très bon. J'essayais d'imiter, de façon enfantine, les meilleurs du monde. D'accord, c'était l'ancienne génération, mais c'était toujours les meilleurs du monde. Alors Ritchie Blackmore a été le guitariste de Deep Purple la majeure partie du temps. Mais vous avez eu aussi Tommy Bowling pour un moment un peu plus court, et ensuite Steve Morse et Joe Satriani. Alors en tant que batteur, est-ce que ces différents styles de guitaristes ont changé des choses pour toi ? Sur scène, pas tellement. C'est dans la façon de composer la musique que tout change. Ritchie a une remarquable capacité à faire d'excellents riffs de guitare. C'est là qu'est sa force. Joe avait un talent complètement différent, que nous n'avons jamais réellement enregistré. Son style est beaucoup plus dévoué à lui-même qu'au groupe, car c'est ce qu'il est, un artiste solo. Avec Tommy, c'était beaucoup plus funky. Son interprétation rythmique était américaine et pas européenne. Il jouait dans un style funky complètement différent. Et Steve a sa propre manière de voir les choses. Disons qu'il compose d'une manière assez inattendue. En fait, ils étaient tous différents. Donc les changements majeurs se produisaient quand on composait notre musique, pas quand on était sur scène, jouant devant un public. Car les concerts se suffisaient à eux-mêmes, et la majeure partie des titres que tu joues sont des tubes. Ce n'est pas systématique, mais c'est ce que les gens attendent. Donc sur scène, pas tellement de différence.
Tu sais juste que tu joues avec de bons musiciens et donc c'est très facile. Et comme tu l'as dit, il y a eu quatre musiciens et qui sont tous de très bons guitaristes. Et qu'en est-il pour les bassistes? Je pense à Roger Glover qui est parti un moment et qui a été remplacé par Glenn Hughes, qui est un jeu complètement différent. Oui. Alors là, c'est plus critique. Car la basse et la batterie sont la section rythmique d'un petit groupe. Et que quand tu as un bassiste comme Roger, qui me donne beaucoup d'espace pour ressentir les choses, eh bien je peux jouer plus. Car tu ne peux pas jouer à plus de 100%, quand il n'y a plus de place, il n'y en a plus, tu vois. Donc Roger me laisse 50%, c'est ce que je ressens. Mais avec Glenn jouait les lignes de basse plus complexes, et ça prenait donc plus d'espace. Alors quand c'était 50% avec l'un, eh bien lui me laissait plutôt 30%. Alors j'ai dû jouer moins. Ce n'est pas mieux ni moins bon, c'est juste différent. Et du coup, tu es poussé dans une direction différente, car l'alchimie musicale change selon les gens avec qui tu travailles. J'ai adoré jouer avec beaucoup de bassistes différents, ainsi que des musiciens, car à chaque fois, tu découvres quelque chose de nouveau en toi, car ils déclenchent quelque chose en toi auquel tu n'avais pas pensé avant, car c'est quelque chose de nouveau. Alors pour parler un petit peu matos, est-ce que tu peux nous décrire ton kit de batterie et expliquer pourquoi Pearl est ta marque de batterie favorite? Oui. Mon gros problème avec les kits, c'est que la plupart des mecs que je voyais quand j'étais gosse, les batteurs des grands groupes, avaient une grande cymbale ride très très basse. Et dans mon cas, c'est sur le côté gauche, mais dans le leur, ce serait plutôt là. C'est bien d'avoir des toms qui donnent des sons différents, tu vois. Là où la plupart des mecs ne peuvent faire que 1, 2, 3, 4, 5 et le fond d'une traite, avec la grande ride que j'adore, c'est impossible. Alors, pour avoir les différentes tonalités de toms, j'ai développé la disposition en triangle. 10, 12, 13 pouces. Ce n'est pas très pratique et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire avec. Ce que tu peux faire, c'est ajouter d'autres sons. Mais là où j'utilise 7 tonalités de tomes sur mon kit, je n'en joue réellement que 4. Et sur ces 4, je n'en joue réellement que 3 tout le temps. Beaucoup de batteries sont esthétiques. Elles ont l'air belles, tu vois. Et une partie du kit doit être vraiment attractive. Et si je mets une partie de la batterie plus loin, ça semble bancal. Mais je viens d'avoir un nouveau kit livré par Pearl. Et je voulais deux kits en un. C'est une copie de ce que j'ai maintenant, mais j'ai aussi commandé un tom medium raqué. Et donc, si je veux, j'ai la possibilité d'imiter le kit que j'utilisais dans Made in Japan, juste avec 3 tomes. Et j'ai pensé que ça serait intéressant, car ça me forcerait à jouer différemment. Je n'ai donc pas beaucoup de tonalités de tomes différentes. Je n'ai pas tout ça. Et je dois donc penser à des patterns plus rythmiques, car je n'ai que 3 sons. Je peux donc dire au Roddy, sors le petit kit ce soir, ou sors le plus gros. Et donc, ça change ma façon de jouer. Car tu joues tellement de fois le même morceau de musique, c'est très facile de tomber dans un pattern de jeu très standard en jouant les morceaux. Tu essayes de trouver autre chose, mais c'est très compliqué quand tu joues le même morceau depuis 40 ans. Et c'est très dur de trouver de nouvelles choses. Et donc, par de simples choses comme changer un kit de batterie, l'actuel set de batterie, ça me fait me souvenir de choses que j'avais oubliées 40 ans avant, car je devais faire avec ce que j'avais.